Bonjour les crypto-curieux, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai vraiment la patate, la crypto-patate, parce que il s'est enfin réveillé. Ça faisait des années qu'on n'en avait plus entendu parler, qu'on n'avait pas eu de nouvelles. On se demandait même s'il était décédé. Et il est enfin revenu. Satoshi Nakamoto a enfin refait surface. Si ça, c'est pas de la breaking news, il a juste fait un message sur son propre compte sur le forum Bitcoin Talk. Et ah, c'est un truc de fou. Dès que j'ai vu la nouvelle, j'ai pris la vidéo et j'ai pris la caméra et j'ai fait la vidéo parce que c'est un truc de fou. Alors, je vais vous montrer quand même le message qu'il a posté. Je sais pas trop ce qu'il a voulu dire, ce qu'il essaye d'insinuer avec cette espèce de mème qu'il a créé avec ces trois personnes. Mais bon, c'est tellement huge que j'ai pas voulu, tellement gros que j'ai pas voulu faire de recherche pour le moment. J'en ferai certainement une vidéo plus tard, demain ou après-demain, concernant ça. En tout cas, une vraie news, quoi. Il y a quelque chose qui est assez mystérieux, donc complètement un autre sujet, moins excitant, mais ça fait un peu théorie du complot, mais il y a quand même quelque chose de bizarre. On est le quatrième mois de l'année, c'est le premier jour, et le Bitcoin est à 4 100 $. Moi, je pense qu'il y a anguille sous roche. Il y a forcément manipulation quelque part, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. 4, 1, 4, 1. En plus, un 4, 1, bah, c'est un poème. Alors, peut-être qu'on a voulu nous dire que, je sais pas, que le Bitcoin et les cryptos, c'est tout un poème, toute une poésie ou quelque chose comme ça. Je sais pas, je pense que ça va faire une sacrée... ça fait une sacrée théorie du complot, quoi. Qui s'amuserait à manipuler le prix à ce point pour que on ait des correspondances comme ça, coïncidence? Je ne crois pas. Alors, la troisième chose que je voulais absolument parler aujourd'hui, écoutez bien, on est le 1er avril, j'étais obligé de faire une vidéo comme ça, quoi. Vous doutez bien que ça fait des années qu'il est parvenu au devant de la scène. Malheureusement, on n'a toujours pas de nouvelles de Satoshi. Et puis alors, cette histoire de 4100, de 4-1 et de poésie, je me suis fait un plaisir à y penser quand j'étais sous ma douche tout à l'heure. Donc il fallait que je fasse cette vidéo. Bon, je vais poster une vidéo. Ça, par contre, c'est pas une blague. Toute petite vidéo, pareil, certainement dans les 3-4 minutes max, qui va parler des plus grandes citations de grands personnages concernant le Bitcoin, la technologie de la blockchain et les technologies des crypto-monnaies ou tout ce qui est relatif à cela. Donc je vous invite à regarder la vidéo qui va arriver là-dessus. Je pensais la mettre hier, mais en fait, non, je ne l'ai pas terminée hier. Donc je vais m'y atteler tout de suite, mais cette vidéo que vous êtes en train de regarder, et puis bien sûr, la priorité, il fallait que je fasse cette petite... Donc, j'espère que je ne vais pas avoir de problème d'ailleurs là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Bref, restez crypto-curieux, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet, et à la prochaine. Allez, ciao!